Bonjour dames et messieurs, bienvenue dans votre émission Emotica. Aujourd'hui, je reçois pour vous un élément très très influent. Il n'est plus à présenter, le magnifique, il s'appelle ses scènes et encore ses humours ou encore ses pièces. Que dis-je, ses blagues emballent tout le monde, n'est-ce pas magnifique? Ça dépend. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bon, je suis le magnifique, je suis content d'être là avec vous. Merci beaucoup, mon ami sportif, il est en Barcelone, moi je suis en Juventus. Bon. C'est Messi qui est là. Oui, c'est R7. Donc, en tout cas, je suis content d'être avec vous. Dans la main de Dieu. Donc, on l'appelle Jean de Dieu. Dieu te met. Ça t'appelle comment? Dieu. On va parler de Dieu. Ah, d'accord. Super. Ah, d'accord. Merci. Oh, super, vous êtes adorables, mes enfants. Révélé par le Festival international du rire d'Abidjan, FIRA, l'humoriste le magnifique Glenn Delaurier est inscrit son nom à côté de ceux des grands humoristes de Côte d'Ivoire. Il aurait pu être un anonyme agent commercial dans une entreprise, mais il a choisi une autre voie. Et jusqu'à présent, ce choix semble lui réussir. Sa prestation à l'émission Bonjour 2010 à Yamoussoukro a séduit. Le monde de l'humour ivoirien révèle un nouveau talent, le magnifique, dont la renommée petit à petit gagne du terrain. Révélé en 2009 par la 7e édition du Festival international du riz d'Abidjan, d'Adama Daiko, le magnifique apparaît comme un jeune talent doué à l'humour très original. Je ne suis pas venu à l'humour par hasard, je suis humoriste parce que j'aime ce métier, confie-t-il. Derrière le magnifique se cache Badjak Silver, un jeune Wobey moderne qui porte fièrement ses 31 ans sur 1m80. Le choix de ce pseudo s'explique, selon l'artiste, par le fait que le nom a une répercussion sur la personne qui le porte. Si tu t'appelles DJ Toka, c'est clair que tu vas rentrer en brousse. Si tu t'appelles Magic System, le réseau sera toujours magique. Si tu t'appelles Les Patrons, tu t'imposes dans le milieu du Zouglou. Tout ce qui est magnifique est extraordinaire et beau. Je m'appelle Le Magnifique parce que j'aspire à faire des choses belles et magnifiques, explique-t-il entre deux éclats de rire. Jésus s'appelle. Jésus s'appelle. Ah, Jésus s'appelle. Ça dit, vous riez comme ça dans l'argent des garçons. Garçons à payer, vous êtes rentrés, vous riez comme ça. Et vous pensez qu'après bonjour, vous allez vous en sortir vivante. Mais vous serez abattus ce soir. Les garçons applaudissaient pour vous, vous êtes trop intelligents. Mais ce soir, vrai, vrai, on a encore dit la vérité. Qui a été doublé? Les filles, qui a été doublé? Oh, on ne double pas toujours femmes, c'est garçons. Les garçons, qui a été doublé? Oh. Garçon, qui a été doublé? Ouais, les garçons souffrent toujours. Yako. Yako. L'amour rend aveugle, mais Goumengoumé ouvre les yeux. Les filles, vous aussi. Beauté donne foyer, mais c'est le comportement qui amène à la mairie. Après un brevet de technicien supérieur, BTS en gestion commerciale en 2003, Bas-Sylvain se sent résolument attiré par sa passion, l'humour. Les sketchs et les blagues délirantes de Zongo ne le laissent pas indifférent. Quand je commençais, mon idole c'était Zongo. Je faisais comme lui avec le même accent.
raconte-t-il. Suivant les conseils de quelques aînés, il décide de se forger une identité personnelle. C'est sur cet aspect que j'ai travaillé pour qu'on ne dise pas que je fais comme tel ou tel. Je suis moi-même et je suis venu avec quelque chose de nouveau. C'est pourquoi dans mes blagues, j'apporte des touches particulières. Argumente l'artiste. Sa relation avec ses pairs, bonne et cordiale, assure-t-il. Et de poursuivre, avec les aînés, tout se passe bien. L'entente est parfaite, ils te donnent des conseils et te donnent ce dont ils n'ont pas pu bénéficier. Ils te font éviter les erreurs qu'ils n'ont pas pu éviter. Le magnifique tire son inspiration du vécu quotidien. Les blagues qu'il raconte trouvent leur origine dans des scènes vécues par ses proches, mais aussi dans d'autres dont il est le témoin. Le reste, la manière de rendre la blague est une autre affaire. Et cette autre inspiration vient de Dieu. Les gars, les garçons aussi, si vous êtes là, sortir à une fille de 18 ans, c'est pas facile. Petit palabre entre elle et toi, net, c'est sa copine de 15 ans là qui t'appelle. 15 ans là, c'est elle qui t'appelle pour te donner le conseil. Allô? Tes comportements bizarres là, tu as commencé encore. Hein? Petite fille comme ça qui peut être ta petite fille même, c'est elle qui te parle, on dirait, je n'aime pas ça, faut pas donner AVC à ma joujou. Malgré la relative renommée dont il jouit, le magnifique ambitionne de faire le tour du monde et veut surtout continuer à se former. Si l'opportunité de se former se présente à moi, je la saisis. Je veux toujours apprendre l'humour, la manière de rendre les blagues, de se tenir sur scène, de se vêtir en fonction des spectacles. Confie l'artiste qui pense que l'humoriste peut vivre de son art. L'exemple d'Adama Daiko qu'il cite l'incite à travailler davantage. L'humour est un travail comme les autres, qui permet de gagner sa vie à condition de mieux s'organiser et de gérer au mieux ce qu'on gagne. Confie-t-il. Seulement, continue l'humoriste. Il faut que les promoteurs de spectacles nous aident et nous respectent un peu. Parce qu'avec la piraterie qui a pris de l'ampleur, on ne peut pas vendre de CD. Humoriste, le magnifique est aussi chanteur. Il vient de mettre sur le marché un album de 6 titres intitulé « Goûtez voir », un cocktail de chansons comiques et de blagues. L'humour et la chanson sont deux enfants qui ont été à la même mamelle de la même femme qui est la culture, explique-t-il. Imaginez ceux qui mouillent béton pour construire un immeuble. Vous voyez, les attends, ils boivent sa chaîne d'eau. S'il a pris Saint, là, il va profaner ça. Est-ce que les femmes sont là? Attends. Adjigui. Attoy. Je suis le DJ Moriba. Le 20800 tonnes de bruit. Adieu. Je vais encore frapper dans ces morceaux. Adieu le pasteur instrumental de bon. Conception Eric Patron. Fabrication Yodé Siro. Made in Didier Bleu. Maman Nade, maman Moni. C'est le commandant Moriba. Maman Nade, maman Moni. C'est le commandant Moriba. Comment tu vas? Ça va très très bien. L'émission s'appelle Emotica. D'accord. Tout à l'heure, on va nous tendre une enveloppe. Dans les enveloppes, il n'y a pas 10 000. Il y a des noms. Ah. Et puis ces noms, derrière ces noms, il y a des émotions. Donc vous allez jurer d'abord de dire la vérité, rien que la vérité. Ça dépend. Ok, je vais dire la vérité et essayer de dire la vérité. En tout cas, je dis la vérité. Je vais essayer. Merci. Est-ce qu'on peut avoir l'enveloppe? Merci pour l'enveloppe. Ça, c'est pour vous. Et voilà l'enveloppe. Maintenant, vous ouvrez. Non, allez-y. Sautez la première fiche. Ouais, c'est vous qui lisez. Il y a Zongo. Oui. Zongo, ça vous dit quoi? Ça me dit Zongo. Maréchal Zongo, oui. C'est un aîné, un dévancier. C'est un de nos doyens en humour. Et le célèbre couple était Zongo et Tao. Okay. Voilà, ça nous rappelle beaucoup de choses. Mon enfance, ce sont mes
C'est eux qui ont guidé nos premiers pas dans l'humour. C'est sur eux, nous, on copiait un peu. Et puis, après, on s'est croisés sur des scènes. C'était des moments extraordinaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. C'est grand frère, petit frère. Et vraiment, ils continuent toujours de nous inspirer. Un message à l'endroit de Zongo. Vieux père, pardon, c'est quel jour tu vas enlever Dredd là hey. J'espère qu'il a compris le message. On va passer maintenant à la deuxième fiche. D'accord. Paquet, l'arrangeur. Oui, ça c'est mon jumeau, c'est mon ami ça. Grand arrangeur, c'est lui qui a arrangé le groupe Révolution. Il a arrangé Didier Léo, il a arrangé les patrons. Il a arrangé beaucoup d'artistes, hein, Mawa Traoré, Aïcha Kone. Paquet, l'arrangeur, c'est celui qui arrange mes sons. Parce qu'au-delà de la musique, moi aussi, j'essaie de chanter. Au-delà de l'humour. Oui, au-delà de l'humour, j'essaie de chanter de temps en temps. Donc c'est lui qui arrange mes chansons. On était même ensemble il y a 3-4 jours avant que je ne vienne ici. Donc Paquet, ouais, voilà ton nom est tiré. Hein. Si tu veux chanter, que tu ne sais pas chanter, va chez Paquet. Il va te faire même, tu vas avoir 10 dollars. Voilà. Merci, spécial dédicace à Paquet. On va passer maintenant à la prochaine fiche. On y va? Adam Ndaiko. Hein? Le président Adam Ndaiko. Voilà. Lui, c'est un monument, c'est un baobab. C'est lui qui m'a donné ma première chance à travers son festival qu'on appelle le FIRA, Festival International du Rire d'Abidjan, le FIRA. Donc, le casting a été fait et je suis allé faire le casting et il m'a retenu. C'est lui qui m'a donné mon premier pas sur la grande scène en matière d'humour. Ce monsieur-là, vraiment, c'est un président, c'est un formateur. C'est lui qui a aussi révolutionné aussi l'humour ivoirien à travers ses sketchs, sa manière de faire. Vraiment, c'est l'un des pionniers de l'humour en Côte d'Ivoire. C'est un modèle pour moi. C'est mon idole. Et puis, ce sont ces traces que j'ai suivies un peu. Voilà. Merci. Donc, vraiment, président Adam Ndaiko, sois béni. On est ensemble, président. Merci beaucoup. Nous aussi, on profite hein, de l'occasion pour dire grand merci au président Adam Ndaiko, le président de Dromican. Voilà. OK. La prochaine fiche. Celle-là. Emmanuel Adebayor, vous connaissez ça? Hey, chérie, oui. Ouais, la fierté de l'Afrique. Emmanuel Adebayor, voilà. Emmanuel Adebayor, grand footballeur africain et international. Ce sont eux-là même qui sont les ambassadeurs de nos continents. Lui, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Touré. En tout cas, ici, ces seigneurs, tous ces grands noms du football, du sport mondial, c'est eux qui font la fierté du continent partout. Tu passes dans le monde, tu dis, ah, je suis du Bénin, je suis de la Côte d'Ivoire. On dit, ah, c'est... chez Magic System, même chez Drogba Didier. Donc Emmanuel Adebayor, quelqu'un qui nous a beaucoup fait vibrer. L'Afrique a beaucoup rêvé, beaucoup d'enfants se sont inspirés de lui. Aujourd'hui, ils sont des professionnels en travaillant à son image. Vraiment, je suis fan. Kabi, ouais, c'est quoi ça? On est ensemble, ça trame. Mais oui. Merci beaucoup. Ok, nous allons maintenant passer à la fiche numéro 6. Hey, tu avais dit 5, non? Maintenant, ça sort 6. Tiens, José. Oui. Hé, hey, hé. Hey. J'ai rencontré Bijou. Il a la taille, il a la forme. Mignon garçon, intelligent, il est charmant. On s'est aimé. José, c'est la voix, c'est la mélodie, c'est la romance, c'est le romantisme. Vous voyez, quand elle chante, elle donne la chair de poule. Elle donne des émotions, c'est les frissons. José, elle a les textes, elle a la réalité. José, c'est aussi la beauté, c'est la forme. Est-ce que vous voyez, José, quand il voit Joël Aizé, tu vois, non, c'est José même, tu sens ça. Donc, José. C'est tout quoi? Oui, c'est José même. Et on a beaucoup de contacts, on est ensemble toujours. Et on se partage les scènes, on est ensemble à Abidjan. À l'extérieur, on se croise, on est ensemble. Et puis, elle est tellement sympa. Est-ce qu'il y a un message adressé à José? José, c'est pour te dire que quand tu chantes, pourquoi tu ne dis pas mon nom dedans? Il faut me prendre, il a fait clip. Tu vas avoir 10 dollars. Hein? Donc, non, c'est pour lui dire vraiment. On ne peut pas dire encourager déjà, parce qu'encourager, elle a dépassé ça. C'est pour vraiment la soutenir dans tout ce qu'elle fait en esprit, en corps et en âme. Voilà, José, tu es une grande, il n'y a pas l'homme, tu es une 10. Voilà, tu es Zo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On y va à la fiche numéro 5. Ramatoulaye, Batala. Hey. Ramatoulaye, c'est mon élément, c'est mon frère, c'est mon collègue.
En même temps, mon frère, au-delà du travail qu'on fait, on a la fraternité, la solidarité à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si dans d'autres pays ça se fait, mais on est unis dans l'humour. Surtout quand quelqu'un veut fixer sa date de spectacle, on a un groupe WhatsApp où on se parle, où on échange. Et on va même au spectacle faire sa première partie. Et même s'il veut qu'on intervienne dans son spectacle, on le fait. Et Ramatoulaye, moi, Agalawal, Joël, Ankadeka, et puis nos doyens qui sont Gohou Michel, Adam Daiko, Digbe Cravate et tout. Et il y a même nos petits frères qui viennent, ceux qui sont sur les réseaux sociaux comme Enis Zinon, Yves Dero, comme Observateur, comme en tout cas Pancho Le Gâté. Il y en a tellement, il y en a tellement. En matière d'humour, là-bas, on est soudés. Donc Ramatoulaye, c'est mon frère, c'est mon jumeau. Et entendez-moi, partout je suis, il est. Non, là, il n'est pas là. Non, il a voyagé. Je sais qu'il est en France. Voilà, il est dans un autre gombo. Petit bâtard, là. Je suis en train de faire ton atalakou ici. Hein. Si tu vois l'émission, là, ah, faut s'y lancer. Entre toi et puis José, qui a brèche. Ouais, Rama, on est ensemble. La dernière fiche. Si vous nous suivez, vous êtes dans votre émission Emotica. Et puis, je reçois pour vous l'humoriste ivoirien, le magnifique. On y va. Ouais. Aimé Zébier, on a tiré ton nom ici à Cotonou. Aimé Zébier, c'est l'un des doyens du Zouglou. Quand on dit la musique Zouglou en Côte d'Ivoire, parce que moi je chante, je fais du Zouglou. Comme il a dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de chansons. Et ce monsieur-là, il a un espace Zouglou qu'on appelle Maki l'Internat. C'est là-bas que j'ai commencé mes débuts. C'est là-bas que j'ai fait mes armes. C'est lui qui m'a donné ma chance de me montrer aux Zougloufiles, aux personnes qui aiment le Zouglou. Ce monsieur-là, un monsieur de grand cœur. Tous les artistes Zouglou de Côte d'Ivoire, de Magie System, en passant par Espoir 2000, Yodé Siro, les patrons, Garagis, Yabongo, tous les Zouglou, en tout cas tous ceux qui aiment le Zouglou en Côte d'Ivoire, l'aiment, le respectent, l'adorent, parce que c'est un monsieur au grand cœur. Il soutient les artistes, les accompagne, il fait leur promotion, il organise leurs spectacles, il les conseille. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment énormément aidé. Je ne sais pas même si je peux dire que c'est mon producteur même. Voilà. D'accord. Okay. Un message à Aimé Zébier. Viens, père, j'arrive dimanche, hein, j'arrive à l'internat là-bas. Pardon, il faut me programmer, il y a longtemps. C'est pas, je voyage beaucoup que tu ne me vois pas. Sinon, je viens, je serai là. Et sois béni. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous, pour la culture ivoirienne, pour l'Afrique. Le père Aimé Zébier, on est ensemble. On se joue à l'internat, à Yopougon. C'est quoi ça? Zouglou! Allez, Mouko, à côté Minako, Moulebeya. Zouglou. Sei. Merci beaucoup, le magnifique. Le magnifique, nous avons fini déjà notre exercice, notre petit jeu. Je ne sais pas comment vous avez travaillé sur ces personnalités ou bien ces personnes-là, vraiment qui sont proches de moi ou bien que j'ai côtoyé ou bien qui m'aident, qui sont dans ma vie, dans mon travail. Mais vous avez tellement bien réfléchi. Celui qui a eu l'idée de créer l'émission, composition, tout ça, en tout cas, vraiment, toute l'équipe, chapeau à vous. Tout à l'heure, j'ai parlé, mais. Beaucoup d'émotions, frissons, pardon, tu vois ici là, c'est plus cher des poules, cher de dindon. En tout cas, chapeau les gars, tellement belle l'émission. Et puis bon, l'esprit même sans le savoir, nous, au-delà de la culture, sport aussi, on est là. Regarde comment on est habillé aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est pas fou. Merci beaucoup. Nous allons prendre vos emplois du temps, c'est-à-dire vos programmes en perspective, les projets à venir, les actualités. Mm-hmm. Donc, mon actualité la plus chaude en ce moment, c'est le 6 juin 2020. J'ai fait mes 10 ans de carrière dans un one-man show qui sera mon 10e one-man show depuis 2002. Normalement, en 2020, ça fait 18 ans. Mais j'ai été révélé au grand public en Côte d'Ivoire par l'émission de la télévision Bonjour 2010. Donc, ceci étant, avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Quand ils sont avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Quand ils sont avec enfants des gens. C'est chaud pas ici, nous sommes avec le magnifique. Voilà. Et puis, c'est le son du moment apparemment. Oui, aïe, Abidjan va tuer. Ton camp, c'est DJ Léo. Oui, c'est DJ Léo. Ah bon? Oui, donc, tu n'es pas dans. Enfant d'agent, n'a qu'à aller travailler. Jamais. Eh bien, tu quoi? Et c'est quand il a envoyé là, il lui a dit de venir travailler. Et c'est, il lui a dit que Jésus venait l'embaucher. Okay. Revenons à nos moutons. Donne pas l'argent là, il y a un enfant qui va donner l'argent et puis il va faire travailler là derrière toi. Donne en même temps. Ok, nous allons revenir à nos moutons. Ok, revenons dans notre émission. Emotica, on était en train de prendre les actualités de notre artiste invité du jour, le magnifique. On parlait de... Le 6 juin, j'ai fait mes 10 ans de carrière. Comme je l'ai dit, le 6 juin,
J'ai commencé l'humour, la chanson, tout et tout, en 2002. Et si on devait comptabiliser aujourd'hui, ça fait 18 ans de carrière. 18 ans que Dieu m'a donné la grâce de faire, d'essayer de faire rire, de donner le sourire un peu partout en Afrique, à travers le monde. Et à un moment de ton parcours, il faut t'arrêter pour marquer le pas, faire le bilan, pour voir si tu vas vers tes objectifs, tu les as atteints, et encore, qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc, le 6 juin à Abidjan, au Palais de la Culture, j'ai fait mes 10 ans de carrière, c'est un anniversaire de travail, donc avec mes aînés qui vont venir me soutenir, me bénir, et la génération qui vient après moi, qui va venir pour voir le parcours, si c'est un modèle à suivre, s'il est bizarre, on va le laisser. Et puis, mes collègues qui sont avec moi aussi, voilà, de ma génération qui vont venir me soutenir. Donc, une grande fête à Abidjan, le 6 juin, c'est là. Actuellement, c'est mon objectif majeur. Et juste après ça, il n'y a pas autre chose avant si, si, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Là, il y a Dakar, il y a le troisième, mon troisième livre qui sort. J'ai déjà fait deux livres. Il y a mon troisième, pardon, derrière le monsieur là, blanc là, on va aller filmer son code. Donc, donc, voilà, il y a mon troisième livre qui sort bientôt. Et puis encore, on a beaucoup de spectacles, beaucoup de tournées à faire. Donc vraiment, si je commence ici, on ne peut pas finir. Merci beaucoup. Pour retrouver le Magnifique sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Oui, alors sur Facebook, ma page officielle, c'est Le Magnifique Officiel. Le Magnifique Officiel avec Le Magnifique avec IC et Officiel. Voilà, parce qu'il y a trop de brouteurs là-bas, trop de VI. Oui, donc je choisissais Le Magnifique Officiel. Instagram, voilà. Mon Twitter. Instagram, le arrobas Le Magnifique Premier. Twitter, Le Magnifique Premier. Et puis, ma page perso, c'est Jacques Sylvain Bas. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Émotica, ouais. C'est nous qui disons merci à Le Magnifique. C'est le commandant Moriba. Maman n'a monté ma momie. Salut, c'est le commandant. Je vous laisse conclure, alors. Je vous donne le micro. Allez-y. Conclure l'émission. OK. Mesdames et messieurs, j'ai été très ravi d'avoir été avec vous ce soir. Entre vous qui nous regardâmes et vous qui doutâtes, qui aimez les... Non, c'est pour vous dire que c'était des bons moments d'échange, de partage. On espère que vous avez aimé. Voilà, l'émission, c'est Emotica. Vous avez aimé. La plus belle émission, c'est fini. Maintenant, éteignez votre télévision, sortez, allez au travail. Merci.